Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue. Nous l'ouvrons en parlant de santé et principalement de cette concertation tenue à Yaoundé avec les promoteurs de la pharmacopée traditionnelle. Les travaux étaient à l'initiative du ministère de la Santé publique dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Les précisions de Amand Brice Ngomo et Bertrand Angoula. Avec près de 40 622 cas de contamination et 600... Mais la lutte contre cette maladie n'est pas seulement l'affaire du corps médical ou des autorités politiques, administratives, sociales ou sanitaires. La réponse à cette pandémie nécessite l'implication de toutes les composantes de la société. Il faut changer de langage et parler médecine traditionnelle. Et c'est le ministre porteur d'initiative. On va mieux se structurer pour que nous mettions en exergue ce qui peut nous aider, ce qui peut aider les Camerounais et ce qui peut aider le chef de l'État à mieux maîtriser cette épidémie qui revient de par ce que nous constatons aujourd'hui comme statistique. La pandémie, témoignages édifiants, ils vont démontrer leur savoir-faire. Le vie sauver, c'est quand même quelque chose. Que les gens ne s'égarent pas simplement à se laisser mourir. Pourtant, la solution africaine est là. Pour la sortie des ennuis du Covid et des vaccins. Je suis très satisfait du point de vue du ministre par rapport à notre médecine et je pense qu'en avançant, les choses seront favorables pour tous. À côté de la médecine moderne, il est nécessaire de poursuivre la modernisation de la médecine traditionnelle, deuxième recours des populations dans le rétablissement de leur état de santé. Nous pensons que cette fois-ci, c'est parti pour que les médecines endogènes camerounaises soient véritablement mises en association dans les protocoles de prise en charge des patients atteints de coronavirus. Cependant, cette dernière fait face à de nombreux défis tels que la production de ces solutions médicinales à grande échelle. Nous parlons toujours de la lutte contre la pandémie COVID-19, mais cette fois-ci dans la région du nord-ouest du Cameroun, précisément la ville de Bafoussam-Réga, de la résurgence sur le terrain. Le maire de la ville a entrepris la désinfection des espaces publics. La dite opération a été lancée jeudi dernier, précisément dans les grandes artères et les grands espaces marchands. Il a d'ailleurs été question aussi d'une sensibilisation. Seuls les détenteurs ou le porteur de masque facial sont autorisés à avoir accès au marché ou dans les autres espaces commerciaux de la capitale régionale du nord-ouest du Cameroun. Reportage. La ville de Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, n'est pas épargnée par la deuxième vague du coronavirus. Le chef de la région du Nord-Ouest compte de nombreux cas enregistrés dans les formations sanitaires depuis la résurgence de la pandémie COVID-19 constatée en début d'année 2021. Cette flambée des cas de coronavirus a imposé la réinstauration des mesures barrières par le gouvernement de la République. Seulement un tour effectué à Bamenda, plusieurs personnes n'observent toujours pas ces mesures barrières édictées qui imposent le port du masque et le respect de la distanciation sociale, non sans parler du lavage des mains. Fort de ce constat, la mairie de la ville, pour faire face à la pandémie COVID-19, a entrepris la désinfection des espaces publics et autres espaces commerciaux avec l'aide de l'unité du Corps national des sapeurs-pompiers. Les supermaires de Bamenda. Pour protéger la vie des Bamenda contre la COVID-19. Et depuis le matin, on a commencé à faire bac, food market, commercial avenue et le marché central. Vous savez que c'est là où la population est beaucoup journalière. Donc, il est de notre devoir, par les instructions de monsieur le supermaire, la ville. On est parti là où il y a la ville de Bamenda. Objectif, désinfecter ces lieux de forte concentration humaine et où le virus peut être présent. Toutefois, une opération de sensibilisation est également en cours à l'entrée du marché central de Bamenda. Please put on your nose mask before you enter the market. Don't enter the market without the nose mask. Ici, seuls les porteurs de masques facial sont autorisés dans l'espace marchand. Nous parlons également d'infrastructures routières et principalement de la route qui relie Babadjou dans les Bamboutos
à Bamenda, dans le département de la Mézam. C'est dans le nord-ouest du Cameroun. Cette route en chantier depuis plusieurs années est toujours un calvaire pour les populations qui tentent chacune de se rendre d'un point à un autre de cette partie du triangle national. Pourtant, la route est en chantier. L'entreprise a complètement quitté le chantier. Pourquoi? Quelles peuvent en être les raisons? Mais seulement depuis la tombée des premières pluies, la route est devenue impraticable. Un cri de cœur a été lancé par ces populations pour que finalement les autorités nationales prennent leurs responsabilités et engagent l'entreprise à reprendre illico presto les travaux pour livrer la route qui est toujours attendue par ces populations. Elle est un véritable calvaire pour les populations et autres usagers. Elle, c'est la route Babadjou Bamenda. À peine les pluies tombées durant quelques jours, il n'est plus facile du tout de circuler ici ou d'aller et de revenir sur cette route qui, en saison sèche, est le lit par excellence de la poussière. En saison de pluie, cet axe qui relie Bouda, chef du département des Bamboutos dans la région de l'ouest du Cameroun, à Bamenda, chef de la région du nord-ouest du Cameroun, est pourtant en chantier depuis près de 4 ans déjà. Seulement, plusieurs années après le démarrage effectif de ces travaux, pas toujours de bitume visible sur la route. Quand il y a parti. Ça fait déjà presque 5 ans qu'on dit qu'on a rendu la route. Et maintenant, on dit que l'argent est pour le contrat, ça se passe comment avec le gouvernement. Nos voitures, chaque jour, les routes, qui tentent ici à Bouda, tu changes la route. Au retour, tu changes la route. Les motos, on force les motos. Vous voyez. Ouais, comment on force en pleine, on force les voitures, les moteurs se gâtent. Pour le gouvernement, eux-mêmes, ils passent comme ça, ils voient que ça, c'est la route. Une route nationale. Plus de traces d'engins mobilisés ici il y a quelques. Au lieu que de décaper, laisser les voitures viennent caler, on garde les moteurs chaque jour, chaque jour. Après, on dit que l'argent est fini. Le petit tronçon qu'on paye à 100 francs, maintenant, c'est 300, 400. Ouais. Donc il faut que le gouvernement prise adjudicataire de ce marché, dont les travaux aient été annoncés sur une période de 2 ans, le financement a-t-il été débloqué? Ou mieux encore, pourquoi le chantier n'est toujours pas livré? Des questions et bien d'autres qui animent les commentaires des usagers de la route. Département des Bamboutos, dans la région de l'ouest du Cameroun, pour parler à présent d'éducation et précisément de l'enseignement technique qui est une porte ouverte à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat jeune. C'est d'ailleurs le maître mot de la descente sur le terrain du représentant du sous-préfet l'arrondissement de Bouda qui est allé à la SASM pour justement toucher du doigt la réalité des apprenants et surtout les difficultés rencontrées dans cet ordre d'enseignement dans son unité de commandement. Reportage. Créée dans les années 1975, la section artisanale et ménagère SASM, qui avait pour objectif de résorber les problèmes de chômage et de pauvreté des jeunes au Cameroun, se meurt peu à peu sur l'ensemble du triangle national et notamment à Bouda dans les Bamboutos. Ces unités d'apprentissage des jeunes font face au quotidien à plusieurs maux, notamment le manque d'infrastructures, des encadreurs et des machines pour une mise à niveau efficiente des apprenants. Tout fonctionne à merveille, malgré le manque de formateurs dans certaines spécialités. Je vais citer notamment la IH qui actuellement est orphelée, alors que nous avons environ une quarantaine d'apprenants dans ces spécialités et il n'y a aucune formatrice sanitaire. Le constat est fait par nous tous que la SAR, en dépit des efforts que le staff technique fournit, a quand même un réel besoin en tout, en infrastructure et en matériel. Nous avons vu des machines qui sont carrément en panne, qui nécessitent un coup de main, mais il n'y a pas les moyens. Malgré ces difficultés criardes, la transmission du savoir reste le maître mot dans les ateliers. C'est quelque chose de
je ne vais pas dire incroyable, mais c'est super ce qu'on a vu. C'est des enfants qui méritent d'être encouragés. Parce que ce qu'ils nous ont montré ce matin, relève d'Alger. C'est l'occasion pour moi d'appeler toutes les forces vives à soutenir la SARSM, notamment le directeur qui se bat tout seul comme un beau diable, dirons-nous. C'est fort de ce contraste dans l'adéquation qualité de formation et emploi que le sous-préfet vient, au-delà de toucher du doigt la réalité des ateliers, mais surtout de rappeler l'importance de la section artisanale et ménage qui est une porte ouverte pour l'emploi direct. Nous avons toujours dit que la SARSM n'est pas un tremplin pour les lycées techniques. Voyez-vous, lorsque l'enfant a fini et a obtenu son CQP, il est déjà prêt à s'installer. Beaucoup de nos enfants, vous les regardez, en ville, les ateliers, tout, ils sont les chefs de garage, les chefs d'atelier, de musée et autres. Beaucoup sont même recrutés à la mairie. Bon, il est vrai, certains qui n'ont pas encore l'âge de s'installer peuvent profiter, puisqu'on ne peut pas les bloquer, pour continuer au lycée technique en attendant, ou dans une institut secondaire en attendant, que l'âge requis arrive pour s'installer à leur propre compte. Au-delà des récriminations, il reste aux apprenants de capitaliser les enseignements reçus, de se projeter définitivement dans le monde de l'emploi et ainsi participer à l'effort de développement du tissu industriel mais aussi économique du pays à travers l'auto-emploi et l'entrepreneuriat jeune. Dans la capitale économique du Cameroun, Douala, nous rentrons à présent dans les espaces marchands pour faire un constat malheureux pour les ménagères, celui de l'absence d'un poisson, précisément le maquereau. Il se fait de plus en plus rare sur les étals et dans les poissonneries de la capitale économique du Cameroun. Nous en avons fait également le même constat. Plusieurs Camerounais qui trouvent difficilement le maquereau de bonne qualité pour leur table, même quand le maquereau est trouvé, écoute les yeux de la tête. Le point de Charles Fisselangé. Madame Elon se tourne les pouces depuis plusieurs minutes dans cette poissonnerie dans l'espoir de s'offrir du maquereau. Si on s'en tient aux ardoises d'indication, le maquereau est pourtant ici présent, mais de quelle qualité donc? Après exploration des différents congélateurs, elle aura tout de même pour l'eau de consolation cet autre poisson d'une autre espèce et va devoir s'en contenter en attendant d'élucider le fameux mystère autour de la disparition du maquereau Oya Oya tant recherché. La meilleure qualité maintenant, on n'en trouve pas. Pour en trouver, il faut sortir tout. Parfois, on arrive à trouver la bonne qualité. Mais les femmes qui braisent ont déjà trouvé parfois. Donc, on est bien. Tout le temps, c'est tout ce que vient de voir là. Il y a fait des bonnes. Nous, nous ne voulons pas les boulons, on fait vraiment la qualité. Ce qui est là, ça nous intéresse. Le maquereau le bon est donc rare et a disparu des étalages au détriment des consommateurs à sa recherche vaine. Comme il n'y a pas de maquereau dans le marché, là, nous sommes obligés de vendre cette qualité, c'est les jumbo. Pourquoi vous gardez nos clients? Parce qu'il y a des clients qui veulent des maquereaux, les maquereaux, c'est la mort. Nous sommes obligés de vendre, elles sont obligées de prendre déjà 6 pour briser. C'est un bon maquereau, c'est pas très mal. Il faut seulement bien assaisonner. Quand on assaisonne bien la vie, le client mange, c'est bon. Parce que nos clients ne se plaignent pas. Loin ici au quartier d'Eido, lieu par excellence de consommation du poisson, tout en avouant que le maquereau n'y soit pas très sollicité, sa présence sur ce grillage a suscité notre interrogation, à savoir de quelle qualité avions-nous affaire. Le maquereau qu'on vend maintenant, c'est le plus comme tout le monde dans le marché maintenant, c'est le pias. Mais il y a le maquereau Oya. Il y a le troncanda. Le troncanda, c'est les longues filoches. Il y a le... Comment on appelle ça? Les jazz, les norvégiens, maintenant tout ça, et les espagnols, maintenant on ne voit plus, c'est seulement le pélon qui sort. Il y a aussi le chinchard. Le chinchard, c'est le on dit que c'est le maquereau chinois. Oui, il est gros, quand on écaille,
au fur et à mesure que les minutes passent, il maigrit. La pénurie du maquereau Oya Oya est bel et bien effective et aura réussi à influencer sur les prix des autres poissons. On va s'approvisionner en maquereau, ce poisson pourtant très prisé par les ménages du triangle national et principalement de la capitale Ndokmbok, où les populations sont dans la joie. Ces populations ont enfin le chef traditionnel, le prof du département de la Sanaga Maritime, Cyril Yvan Abondo, qui requiert de ces derniers rigueur et arc et guagnon et j'en plaise, Tonya. Le canton Ndokmbok, le préfet du département de la Sanaga Maritime, Cyril Yvan Abondo. Il succède ainsi à son père, décédé en 2015. Dieudonné Makon est un homme accompli, rompu à la tâche et digne successeur de son père. Mon souhait, que, avec la dynamique que j'amène dans ce canton et avec les composants, c'est-à-dire mes notables et mes conseillers, nous serons à disposition pour donner cette impulsion à toute la population de Samy. N'a pas tari de loge à l'endroit du nouveau chef. Que le chef a deux casquettes. Il est en même temps auxiliaire de l'administration, c'est-à-dire le bras séculier de l'exécution de l'ordre du droit de la République. D'autre part, il aime pour faire monter la doléance au niveau de la hiérarchie administrative. Donc, je l'ai dit clairement, aucune élite, quel que soit son rang, sa force. Robert Batoum a exprimé lui aussi sa joie et sa satisfaction de travailler en collaboration avec le nouveau chef. Compte tenu de l'immensité de la tâche, nous croyons que c'est un nouvel ouvrier qui vient s'ajouter à nous dans l'œuvre d'édification, de construction, en bonne intelligence pour l'intérêt des communautés, compte tenu des missions qui sont siennes et qui lui ont été rappelées tout à l'heure par M. le préfet. Les agapes et les youyou dans les chaumières ont marqué l'épilogue de cette cérémonie d'installation. En sport football, les sélections nationales, le Portugal Conte Sao a rendu officielle une liste, mais plusieurs défections ont été déclarées, choses qui ont amené le sélectionneur dans cette compétition que le pays d'Albert Ojemila et de Samuel Otofis devra organiser. Également que la mise au vert va se tenir dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Reportage signé Moïse Ball. Le tennisien portugais Tony Conceição vient de réajuster sa liste à la faveur des défections en cascade et en série de la Légion française qui a attendu avec impatience les assurances de la partie camerounaise à propos du protocole sanitaire exigé par la Fédération française de football. Six nouveaux joueurs font leur apparition pour le Rogoubac, tout comme Jekyton, sans oublier Koundé Malon. Deux amateurs font leur apparition. Il s'agit du défenseur central, Banga Bidjene, bienvenue, sur ce terre de coton sport de Garoua, tout feu tout flamme lors du Ressanchan, organisé au Cameroun. Goana Manikré de la Colombe Dunja et Lobo est également de la partie. Cette ossature est attendue au Cap-Vert le 26 mars 2021 et le 30 mars 2021 à Douala, cette fois-ci contre le Rwanda. Hors de nos frontières, nous parlons de la présidentielle au Congo. Le principal candidat, Denis Sassou Nguesso, président sortant, est candidat à sa propre parti politique d'être malheureusement en porte-à-faux vis-à-vis des droits de l'homme. Ça, c'est le bureau de mon père. Hein. Ça, c'est son affaire. Le père de Ray est le directeur de Selpimo, un journal satirique basé à Brazzaville. Arrêté le 2 février, accuse Georgette Okemba, la femme du neveu du président Denis Sassou Nguesso, de détournement de fonds. C'est pas normal d'arrêter un journaliste comme ces choses au même temps à la fois, ça ne se fait jamais. Si la suspension du journal a depuis été levée, Raymond Malonga est toujours en prison alors qu'il n'a pas encore été jugé. La loi congolaise ne prévoit pourtant pas de peine de prison pour des faits de diffamation, sauf dans des circonstances précises qui ne semblent pas s'appliquer. De répression en République du Congo. Eux-mêmes ont été plusieurs fois arrêtés ou emprisonnés après avoir participé à des manifestations contre le pouvoir. L'expérience de Ralbel le montre.
votre opinion, vos propos ne puissent pas contaminer les autres. De son côté, le gouvernement accuse certains opposants et militants de chercher à déstabiliser le pays et dit vouloir... Où nous voyons des cadavres qui jonchèrent les rues, et donc nous ne souhaitons pas, le président de la République, son gouvernement, les institutions en place, ne souhaitent pas que nous retombions dans ce type de difficultés. Justement, à la faveur de cette élection présidentielle, ces accusations sont portées contre le président Denis Sassou Nguesso, principal candidat de cette élection présidentielle qui se déroule ce dimanche. 2 millions de Congolais sont attendus au mandat probablement au terme de cette élection présidentielle de ce dimanche. Toujours dans le chapitre de l'actualité internationale, en Algérie, un séisme de forte amplitude a été enregistré. C'est la vieille ville de Béjaïa, la ville coloniale qui a le plus souffert. Les bâtiments de la wilaya de Béjaïa n'ont pas apaisé les esprits. Le wali ne nous reçoit pas d'habitude. Je vous en supplie, laissez-moi lui parler. Trois vieilles maisons se sont partiellement effondrées à la suite du tremblement de terre, mais elles étaient inhabitées. 10 autres bâtisses ont été très endommagées. En cas de réplique, leurs habitants y sont désormais en danger. Le séisme a eu lieu en pleine nuit, peu après 1h du matin. La secousse la plus forte, de magnitude 6 sur l'échelle de Richter, a tiré brutalement les habitants de la ville du sommeil. Nous avons traversé la nuit dernière. C'était vraiment une grande peur. C'était incroyable, c'était impressionnant. On n'a jamais vécu ça. Des habitants encore sous le choc, des centaines de familles ont passé la nuit dehors. L'épicentre du séisme était situé, mais ils sont généralement de faible intensité. Et puis pour clôturer cette édition de l'information, toujours à l'international, Joe Biden sur la sellette après un appel lancé par ce dernier. La douleur et la colère. La Fédération des Américains d'origine asiatique a organisé une veillée de solidarité à la mémoire des victimes des fusillades près des femmes, des aînés, des matriarches, c'était des immigrés qui travaillaient pour une vie meilleure. La présidente de la Fédération des Américains d'origine asiatique prend à son tour la parole. Un suprémaciste blanc a tué 8 personnes dans 3 salons de massage d'Atlanta. 6 d'entre elles. Agression contre les Américains d'origine asiatique au cours de l'année écoulée, selon une organisation antiraciste. C'est une hausse de près de 150% des crimes ciblant ces mêmes Américains en 2020, selon une autre organisation. Le président Biden a ordonné la mise en berne des drapeaux jusqu'à lundi, en signe de deuil. Aux États-Unis. Si les lois peuvent améliorer les choses, nous devons changer dans nos cœurs. La haine n'a pas sa place en Amérique. Elle doit cesser. C'est à nous tous ensemble, de la faire cesser. Le tireur Robert Aaron Lang, 21 ans, a nié tout mobile raciste et s'est présenté comme un obsédé sexuel. Il a été inculpé de meurtre, mais n'est pas poursuivi pour crime haineux. L'État de Géorgie vient d'intégrer ce chef d'inculpation dans son code pénal. Il entraîne des peines plus lourdes, mais il reste difficile à établir. Madame, c'est la fin de cette édition de l'information du soir sur la télévision du monde. Merci surtout de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme qui se poursuit. Bon samedi à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.